le mac de l'économie locale avec serfrance maine-et-loire le magazine de l'économie locale avec le CERF France Méné Noir est de retour et Michel Besançon, son directeur général, est aussi de retour. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Aujourd'hui vous êtes bien là, c'est bien oui, vous, parce qu'on parle d'intelligence artificielle, ça aurait pu être qu'à d'autre ou, 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 ou autre chose, en mon tout cas une moi, machine. Ou mon moi augmenté. C'est exactement cela. Euh, on parle de l'IA, alors déjà, est-ce qu'on l'utilise beaucoup au CERF France alors euh, l'IA euh, est assez nouveau, on va dire, dans les pratiques professionnelles. Euh, effectivement, on le voit beaucoup euh, euh, arriver. Alors, ça peut faire peur, ça peut donner envie. Euh, certains se plongent carrément dedans, d'autres euh, s'y opposent. Euh, chez Serfance Ménéloire, ça fait plusieurs années que nous travaillons euh, sur le sujet de l'IA, sur des domaines spécifiques, dont je ne vais pas rentrer exactement dans le détail, Lesquelles, mais forcément quand même sur, sur l'automatisation des tâches, notamment, ouais. hein, ce qu'on appelle l'industrialisation des tâches à plus faible valeur. Euh, on est dans les phases de, de montée en puissance. Euh, après, euh, dans les pratiques, euh, notamment du conseil ou de la recherche ou euh, euh, voilà ce genre de choses, on est on est au début. Euh, certains certains métiers vont plus vite que d'autres. Alors, vous voulez me parler de, de l'IA parce que c'est évidemment un, un levier de croissance pour l'entreprise. Oui, les entreprises, quelle que soit leur taille, donc comme la nôtre, euh, vont être. Impacté de directement euh, par cette, euh, cette IA, euh, ça permet de simplifier les tâches qui sont complexes, répétitives. Donc pour gagner en efficacité, ça permet aussi de, de gagner de l'efficacité des process, voire de diminuer les coûts. C'est assez bluffant à certains moments hein, cette capacité qu'a l'IA proposer des outils pour des nouveaux services, c'est-à-dire des choses qui nous apparaissaient difficilement atteignables et qui le deviennent. Ensuite, il y a tout ce qui est de l'analyse et l'exploitation de données euh, quand on en a. En l'occurrence, c'est notre cas. Euh, avec la logique de ce qu'on entend souvent de big data, de méga données, et d'optimiser les campagnes marketing quand on veut faire de la vente ou de l'affichage ciblé, l'IA peut aider en ce sens. Alors, pour, euh, pour être précis euh, et euh, serein, il est quand même bon de se faire accompagner c'est le cas, euh, en l'occurrence, de France Nulle. <coughs> Oui, aujourd'hui il y a une multitude de solutions où il y a sur le marché. Il y en a qui sont payantes, il y en a qui sont gratuites, il y en a qui permettent de générer du texte, des images, de traiter des, automatiquement des documents. Bref, euh, il me semble au regard de ce que ça va bousculer de s'y intéresser, quel que soit notre secteur d'activité, et France Num euh, s'intéresse au sujet justement pour aider les entrepreneurs en la matière. L'organisme public qui permet de, de vous former euh, en ligne Voilà, c'est ça, pour aider à, à comprendre et fonc comment fonctionne l'IA, c'est-à-dire un peu aussi la dédramatiser ou l'appréhender. Euh, elle peut vous apporter ce qu'elle peut vous apporter ou comment la mettre en œuvre. Il est, selon nous et, et d'une manière générale, de la part de l'État, impératif de vous former. Et France NUM a sélectionné pour vous hein, des formations en ligne gratuites et accessibles pour comprendre l'IA. Donc, euh, si c'est assez loin de vos, votre quotidien ou si c'est quelque chose qui vous préoccupe, je pense qu'il y aura chaussures à votre pied pour vous former. Chaussures à votre pied, alors est-ce que ça marche pour le loto Parce que Ça vous ne vous... marche pas pour le loto puisque le loto je... est un jeu de hasard. Ouais, J'avais essayé, ça ne marche pas, vous avez raison. <laughs> Merci en tout cas, plus d'infos sur France Nubes, sur Internet, pour pouvoir se renseigner sur l'IA. Merci Michel Besançon, à bientôt pour un nouveau rendez-vous du magazine de l'économie locale. Merci Laurent. Le mag de l'économie locale avec Serfrance France Maine-et-Loire.